On démarre la lecture de la une de ce jour par le quotidien Maison Fraternité qui titre sa une « Récurrence des crimes ignobles et crapuleux, indignation du comité des rites vaudous. Le vaudou est fondé sur des principes éthiques et humanistes. Tension entre le Bénin et le Niger, Soglo et Yahi en médiateur ce jour à Niamey. La Nation, Assemblée nationale, la loi sur l'urbanisme adoptée. Crime au nom des religions endogènes au Bénin, le comité des rites vaudou s'indigne. Le pays émergent pour poursuivre, colloque international, les cultures politiques en Afrique, le président Loïc Béounou-Vlavounou et le Parlement béninois à l'honneur ce mardi. Gestion de l'administration des communes au Bénin, le chef de l'État, le président Patrice Talon, prend le décret qui fixe la structure type. L'événement du jour à présent, prise en charge des malades au Bénin, Talon siffle à la fin des évacuations sanitaires avec le CHIC. En partenariat avec le consulat du Bénin à Naples, la NCB jette les bases d'un avenir meilleur pour les communes béninoises. Le télégramme, crise entre le Bénin et le Niger, Yahi et Soglo sont attendus à Niamey. Centre national d'investigation numérique, 570 comptes TikTok et Facebook désactivés. Dynamisme info pour finir, allégorie des poulets picoteurs et des 20 milliards du Parlement pour justifier la misère actuelle, ça frise de la moquerie à l'endroit des Béninois. Fermeture annoncée du marché d'Antopa, l'appel de Célestine Zanon à respecter la mémoire du peuple. Voilà, donc merci à vous, Armel Lancoutin.